مشاهدي قناة الدار، أهلا ومرحبا بكم. نحن الآن بمدينة مراكش بأحد الفنادق، المؤتمر الثالث للمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم بحضور ما يزيد عن 50 اتحاد كروي إفريقي وأوروبي للخروج بالعديد من التوصيات، خاصة المتعلقة بمنافسات كأس العالم وباقي الاتحادات والمنافسات الدولية. نخليكم مع هذا الروبورتاج، تابعونا. On a parlé de la Coupe du Monde en 2022 au Qatar, la possibilité de l'étude qu'on est en train de faire de faisabilité pour voir s'il est possible de jouer cette Coupe du Monde à 48 équipes et pas seulement à 32. Vous savez qu'à partir de 2026, la Coupe du Monde aura 48 équipes. On a parlé de VAR. Le VAR ou la VAR, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais peu importe. En anglais, c'est plus simple, c'est VAR. La technologie qui aide les arbitres, qui a été un succès lors de la Coupe du Monde. Moi-même, j'étais très sceptique, mais ça marche, ça aide. Ce n'est pas 100%, mais c'est 99%, ce qui est déjà pas mal. Et aujourd'hui, on a 55 fédérations dans le monde qui utilisent ou s'apprêtent à utiliser la VAR ou le VAR. On a parlé du programme de développement de la FIFA, le FIFA Forward Program, qui permet de financer à hauteur de 1 milliard et 800 millions à partir de cette année de dollars sur une période de 4 ans toutes les fédérations dans le monde. C'est 5 fois plus de ce qui se faisait avant. Des investissements avec qui il y a aussi des contrôles, bien sûr, des contrôles accrus et des investissements conséquents pour pouvoir développer le football partout dans le monde. Et on a finalement aussi parlé du football féminin, de la Coupe du Monde féminine qui aura lieu en France cet été, du 7 juin au 7 juillet. Une Coupe du Monde qui va marquer un tournant dans le développement du football féminin. On vise 1 milliard de téléspectateurs, 1 300 000 spectateurs dans des stades qui seront sans doute pleins, dans une ambiance de fête en France cette année. Et la qualité du football féminin, les progrès qui ont été faits ces dernières années vont épater le monde cet été. Donc plein de sujets importants. Un bon feedback, on est tous assez, voire très positifs pour aller de l'avant dans ce qu'on a dit, et on travaille, on continue à travailler, voilà, avec confiance et avec optimisme. Et je souhaite la bienvenue. À ma connaissance, il n'y a jamais eu de candidature pour 2026 conjointe qui a été déposée officiellement par le Maroc, l'Espagne et le Portugal. Donc, à ma connaissance, la FIFA n'a jamais refusé une telle candidature. Dans les délais qu'on avait mis en place, on a reçu la candidature du Maroc et bien sûr a été acceptée. Alors, bien sûr, une Coupe du Monde ne s'est jamais organisée en 100 ans entre deux confédérations, entre deux continents. Ça ne s'est jamais vu. Maintenant, il n'y a rien qui l'interdit non plus dans les statuts de la FIFA. Il n'y a rien qui l'interdit. Donc, à partir de là, je pense que voilà, ça ne pose certainement pas de problèmes d'ordre statutaire. Maintenant, comme j'ai dit, tous les critères pour l'organisation de cette Coupe du Monde 2030 vont encore être
élaborés, mais ils vont être élaborés sur la base des statuts. Après, chacun pourra avoir ses propres opinions sur ce qu'il préfère ou ce qu'il préfère pas. Mais à aujourd'hui, c'est certainement pas interdit. Ce qui n'est pas interdit, c'est permis. هكذا إذن مشاهدي قناة الدار كانت خلاصة المؤتمر الثالث للمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم واللي عرف تطرق العديد من المواضيع من بينهم تقنية الفار واللي أكد رئيس الاتحاد مدى نجاحها علما أن المنتخبات الإفريقية وخاصة المنتخب المغربي تعرض للعديد من القرارات الفجائية واللي تسبت في خروجه مبكرا من المونديال إضافة إلى تحفظ كبير بخصوص المغرب وتنظيمه لكأس العالم 2030 وباقي الاستحقاقات المقبلة. كنشكركم على حسن المتابعة. دمتم في رعاية الله ولا مناسبة أخرى. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.